Lors du premier passage de ma carte, je dois créer un mot de passe et bien le retenir. Pour recharger ma carte, je me rends sur la borne dans le foyer. Je scanne ma carte et je clique sur « Rechargement ». Je choisis le montant à créditer sur ma carte. Je paye ensuite sur le terminal de paiement, en sans contact ou en tapant mon code. Mon compte est maintenant crédité. Je peux aussi recharger ma carte depuis mon téléphone. Pour ce faire, tu dois te connecter à ton compte Netipareo. Aller dans « Autres services », descendre et cliquer sur « GEC en ligne, mon gérant ». Une fois sur GEC en ligne, je sélectionne « Paiement en ligne » et je choisis le montant à créditer sur mon compte. Je procède au paiement en ligne en rentrant mes coordonnées bancaires. Mon compte est maintenant crédité. Je scanne ma carte et je retire mon plateau dans les 15 secondes. Je peux m'identifier manuellement sur la borne en tapant mon nom et prénom ainsi que le mot de passe que j'ai créé lors de ma première connexion. Je clique sur « Oubli de carte » et je reçois le code provisoire. Attention, je ne dois mémoriser que les 4 chiffres. Lors de mon passage au self, je note le code directement sur la borne et le plateau est distribué.